Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the beginning of our Black and White show. We will have three classes this afternoon. And in this summer calf class, the awards to the first place animals donated by Cherry Crest Holsteins. And we have the best bred and owned by Holstein Ontario. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Bienvenue aux trois premières classes du show Noir et Blanc que nous aurons cet après-midi. Il y a dans cette classe de jeunesse d'été. La première place tient donc à Cherry Crest Holsteins et la meilleure propriété élevée par la branche Holstein Ontario.
The winners from the summer calf class, les gagnants de la classe jeunesse d'été. First, number two, premier, le numéro deux. Milk Source, Dorman Missy, owned by a propriété de Christian Cunningham and Miles Price. Second and best bred and owned, number five. Deuxième ainsi que meilleure propriété élevée, le numéro cinq. Kingsway Solomon Gorgeous, owned by a propriété de Kingsway Farms. And third, number 10, troisième, le numéro 10. Rodemcy H.O. Anatole, owned by a propriété de ferme Manstaval Incorporé, ferme Rodemcy et ferme Saye Becquoise. Okay, ladies and gentlemen, have a good spectacle today. Good luck for breeder exhibitor. I think we're starting the nice class today. It's beautiful to see that kind heifer. I like the first pair of calf today as close placing. As the heifer in the first place, it's a bit more long in the neck today. It's more clean in the head, more character in the breed of the head today. The nice heifer balance in the second. The second over third today, I like this heifer. She's a bit more correct today, but more blend to the shoulder, to the first rib today. It's more deep in the fore rib today with a nice dairy calf and third. The third over four today, she's a bit more correct to the rear legs today. It's more flexibility in the hock today with a nice black calf in fifth. The fifth over four today, she's more deep in the fore rib today. It's more length to the body of the heifers in fifth today. And the fifth over six today, a little bit more longer all through the calf today. It's more long and more cleaner today all through the calf for the nice silky calf in the sixth place. Mesdames et messieurs, bonne journée. On va avoir un bon spectacle aujourd'hui. Bonne chance aux éleveurs et aux exposants. Nous avons une belle classe pour débuter cette classe. La jeunesse en première position. Elle emporte sur la deuxième aujourd'hui. Une jeunesse qui est plus dégagée dans tout son cou et sa tête. Plus de caractère de race aujourd'hui dans sa tête qui est bien dégagée comparativement à notre jeunesse qui est en deuxième position. Le deuxième est supérieur au troisième. Aujourd'hui, c'est une jeunesse qui démontre un peu plus de largeur dans sa base de poitrine, un peu plus de profondeur dans sa côte avant. Un placement assez serré avec la troisième. Mais je préfère cette jeunesse-là aujourd'hui. La troisième supérieure, notre quatrième, c'est surtout au niveau de ses membres arrière, plus de netteté dans son jarret. Une jeunesse qui se déplace sur ses membres arrière, plus de facilité, plus de flexibilité dans son jarret que notre jeunesse très élégante, très spéciale en quatrième position. La quatrième supérieure, la cinquième, c'est une jeunesse qui est mieux balancée un peu dans tout son ensemble. Une jeunesse qui démontre beaucoup de force dans sa ligne de dos et bien balancée, se porte bien au niveau de sa tête, son cou, bien agencé. Supérieure à notre jeunesse en cinquième. Et la cinquième avec la sixième, c'est une jeunesse qui demande plus de longueur dans tout son ensemble. Une jeunesse qui demande de plus longueur dans son cou, dans sa ligne de dos. Une jeunesse qui est plus longue un peu dans tout son ensemble que notre belle jeunesse en cinquième position. Congratulations for the winner. The results of the summer calf class following in your catalog. Les résultats de la classe de jeunesse d'été en suivant dans le catalogue. Number one is nine. Le numéro un est neuvième. Number two is first. Numéro deux première. Number three is 18. Le numéro trois 18e. Number four is 17. Numéro quatre 7e. Number five is second and best bred and owned. Le numéro cinq est deuxième ainsi que meilleure propriété élevée. Number six is 16, the numéro seizième. Number seven is 12, le numéro sept, douzième. Number nine is 15, le numéro neuf, quinzième. Number 10 is three, le numéro dix, troisième. Number 12 is 10, le numéro douze, dixième.
Number 13 is 19, de numéro 13, 19e. Number 14 is 5, de numéro 14, 5e. Number 15 is 4, le numéro 15, 4e. Number 16 is 6, le numéro 16, 6e. Number 17 is 13, le numéro 17, 13e. Number 18 is 14, le numéro 18, 14e. Number 19 is 7, le numéro 19, 7e. And we have two added entries. Il y a deux entrées additionnelles. Number 423 is 8, le numéro 423, 8e. TD Reginald Moonlight, owned by a propriété de Kurt Wolf. And number 440 is 11, le numéro 440, 11e. Norca Jedi Judy, owned by a propriété de Norca Austin Incorporé. 19 head were shown in the class. 19 têtes furent exposées dans la classe. The awards in this junior calf class to the first place is donated by Film Jacob, Cap Santé Quebec. And we have the best bread known by Holstein, Ontario. And we now have the 4-H awards by the Co-op Fidelity. Alors, les prix dans cette classe de junior. La première place est donnée à Film Jacob de Cap Santé au Québec. Nous avons la meilleure propriété élevée par la base Holstein, Ontario.
ainsi que maintenant, nous avons les médaillons des jeunes éleveurs d'un don de la coop fédérée.
At this time, ladies and gentlemen, I'd like to introduce your official judge for the National Black and White Holstein Show, who is Mark Contois. Mark Contois is co-owner of world-famous two-time master breeder herd Comstar Holsteins in Victoriaville, Quebec. Over the years, several Comstar females have earned all-Canadian and all-American titles. In 1995, Comstar Laurie Sheik became the first cow to receive Holstein Canada's Cow of the Year Award. Comstar is the leading breeder of Class Extra sires in Canada and is proud to have bred many well-known and well-used sires around the world, including breeding four sires that have produced over 1 million doses of semen each. Mark has marketed cattle, coached dairy producers, and judged shows in 13 countries. He placed Holsteins at the Royal in 1999 and is proud to have won the Curtis Clark Achievement Award in 1996. Just recently, Mark became the 36th recipient of the National Dairy Shrine Distinguished Dairy Cattle Breeder Award in 2008. He's the second Canadian to have received this prestigious award. J'aimerais vous présenter votre juge officiel pour l'exposition noir et blanc, qui est Marc Contois. Le 13 septembre 1976, alors âgé de 18 ans, Marc Contois a fait l'acquisition d'une ferme située à Princeville. C'est sous le préfixe Comstar qu'il a démarré son élevage, qui se poursuit depuis maintenant 40 ans. Trois ans plus tard, il obtient son premier titre All-Canadien avec son taureau Comstar Alamis Marquis, une longue succession de nominations et réserves All-Canadiennes, All-American et tout Québec s'y est ajouté par la suite. Marc a développé une famille de vaches de renommée mondiale qui a su se démarquer au sein de la race Holstein, que ce soit sur le terrain d'exposition et dans l'industrie de l'insémination artificielle. Comstar a élevé entre autres 4 taureaux millionnaires et 13 taureaux classe extra, vendus dans plus de 55 pays qui ont eu un impact mondial dans l'élevage Holstein. À travers les années, Marc a obtenu le titre de maître éleveur à deux reprises, soit en 1995 et encore en 2009. En 1995, Comstar Laurie Sheik fut la première récipiendaire du prestigieux prix remis par Holstein Canada de la première vache de l'année. Il a aussi reçu diverses autres reconnaissances. En 1996, le Curtis Clark Award remis par Isle Royale. En 2008, National Dairy Shrine Distinguished Cattle Breeder remis par la World Dairy Expo à Madison, au Wisconsin. En 2011, certificat des mérites supérieurs remis par Holstein Canada. Et en 2012, reconnaissance Jean Touchette remis par Holstein Québec. Marc a jugé plusieurs expositions d'importance dans plus de 20 pays différents. Et en 1999, il a eu l'opportunité de juger la Royal Winter Fair pour la première fois. Marc et sa conjointe France ont été associés pendant 14 ans avec Nicole et Freddy Steen, qui ont contribué au développement de l'entreprise et y travaillent toujours. Marc et France ont su transmettre leur passion à leurs enfants, puisque depuis 2013, la ferme Comstar a retrouvé son caractère d'entreprise familiale. Ils sont très fiers d'exploiter l'entreprise aujourd'hui avec leur famille, tout en étant entourés de leurs 5 petits-enfants. I have very good, une bonne main d'applaudissement à votre juge officiel. Please give a warm welcome to your official judge, Marc Contois. The associate judge for today's black and white show is Carl Saucier. Carl Saucier from Champlain, Quebec, graduated from the Sainte-Croix-de-Lobinière Agricultural School in 1976. From 1977 to 79, he worked as a herdsman for Ferme Des Lacs in Victoriaville, where he literally fell in love with a high-quality Holstein cow. Wishing to learn English, to deepen his knowledge in breeding and show animal preparation, he worked from 1979 to 1981 for Romandale Farms in Ontario and afterward for Hanover Hill Holsteins in 1982. Those experiences allowed him to mix with the top producers in the breed, such as Antonio Torigny, Dave Houck, Peter Heffring, and he was also the editor of the Holstein Journal from 1984 to 1990 for the Quebec section. Carl has now been working at CIEQ for 17 years. He's a project analyst, and he's in charge of picture taking and cow exhibits at the Holstein Quebec Spring Show and the Holstein International Show. Carl is also a speaker in genetics for CIEQ and the CMEX Alliance, both in Canada and several countries around the world. He is an official judge of Holstein Canada since 1996.
He has judged in Quebec, Ontario, the States, Belgium, France, Portugal, and several times in Australia, including the Royal Sydney Show. Under the supervision of Holstein Canada, Carl has also conducted the first official judging school for the Switzerland Holstein Association. Le juge associé ici aujourd'hui pour l'exposition Noir et Blanc, Carl Saussier. Carl est gradué de l'École d'agriculture de Sainte-Croix-de-la-Binière en 1976. Ce fut comme vacher à la ferme des Lacs de Victoriaville que Carl eut vraiment la piqûre pour la Holstein de haute qualité. Par la suite, avec le désir d'apprendre l'anglais, d'approfondir ses connaissances en élevage et dans la préparation aux expositions, il fut vaché de 1979 à 1981 chez Romandale Farms en Ontario, ainsi qu'à la ferme Hanover Hill en 1982. Ces expériences lui ont permis de travailler avec les meilleurs éleveurs de la race, tels qu'Antonio Tournier, Dave Houck et Peter Heffring. Mais le summum fut de travailler avec un des plus grands herdsmen au monde, Ken Trevina, dans Hanover Hill Holsteins. Carl fut par la suite préparateur professionnel aux expositions pendant plusieurs années. Et de 1985 à 1989, il occupa le poste de rédacteur de la section française pour le journal Holstein. Carl fut à l'emploi de SIAC pendant plus de 25 ans comme analyste de progéniture et débute maintenant une nouvelle carrière avec CIMEX comme représentant en développement génétique, incluant l'analyse de la progéniture et la responsabilité des photos. Il est juge officiel depuis 1996 et a jugé plusieurs expositions au Québec et dans d'autres parties du Canada. Il a jugé aussi aux États-Unis, en France, en Belgique, au Portugal, au Costa Rica, en Australie, et ses deux plus récentes missions de juge à l'étranger furent au Japon. Carl est accompagné de son épouse Léonie Guylaine, ses deux filles Joël et Caroline, leurs conjoints et leurs trois petits-enfants. Alors, veuillez accueillir votre juge associé. Please welcome your associate judge, Carl Saussier. Our thanks also go out today to ring steward Murray Reisner for his continual help and support of this national Holstein show. A retired Holstein Canada official judge, Murray has assisted the show as the official ring steward for over 20 years. Murray has worked with the association in developing video presentations on dairy cattle judging and showmanship, as well as being co-author of the publication Dairy Show Ring Steward, assisting the judge for an effective presentation of dairy animals. Murray's commitment to youth has seen him serve on the TD Canadian 4-H Dairy Classic Committee for over 30 years, and he is currently the president. Murray's professionalism is always appreciated by exhibitors and spectators alike. Assisting with ring steward duties today is Frederick Filion from Portneuf, Quebec. Frederick graduated from the Lévis-Lauzon Cégep in 1997. He worked on several dairy farms, and then worked as a nutritionist for Shergain for 2 years. Fred went on to become a fieldman for Holstein Quebec, where he was responsible for the eastern region for 11 years. Since 2013, Fred works for Select Sires Generation as a genetic consultant. Fred and his partner Lynn have two children, Alicia and Nathan. Nous remercions aussi la maître de piste Murray Reisner pour son aide et son soutien continu pour cette exposition nationale Holstein. Juge officiel d'Holstein Canada à la retraite, Murray apporte son aide à l'Expo comme maître de piste officiel depuis plus de 20 ans. Murray a travaillé avec l'association pour créer des présentations vidéo sur le jugement des bovins laitiers et sur la présentation. Il est également co-auteur de la publication Maître de piste des expositions laitières, assister le juge pour une présentation efficace des animaux laitiers. Le dévouement de Murray auprès de la jeunesse l'amène à siéger au comité de la classique laitière 4HTD du Canada, depuis plus de 30 ans, il est maintenant le président. Assistant Murray aujourd'hui est Fred Filion.
très natif de Montréal, il reçoit une diplôme au cégep de Lévis-Lauzon en 1997. Après avoir travaillé sur plusieurs fermes laitières, dont la ferme Paul Bascott et fils de Champlain, il a été au sein de au service de la compagnie Shergain comme conseiller en alimentation pendant 2 ans. Il fut par la suite conseiller Austin et responsable du secteur Est pour Austin Québec pendant 11 ans. Il est maintenant à l'emploi de Select Sarge Generation comme spécialiste génétique depuis avril 2013. Please give a warm hand to Murray and Fred. Un bon main pour Murray et Fred.
I would ask at this point all 4-H exhibitors to step forward in the row, please. Take 2 steps forward in the row. Je demande à tous les jeunes éleveurs de faire un pas vers l'avant dans la rangée, s'il vous plaît. Winners in the junior calf class, gagnant dans la classe de jeunesse junior, first and best bred known, number 37. Première ainsi que meilleure propriété élevée, le numéro 37. Glenholm Dorman Reggae, owned by propriété Glenholm Holstein, Signature Holsteins, and Todd Edwards. Second, number 48, deuxième numéro 48, Not Elm Fingers Crossed, owned by propriété Neil and Brian Anderson. And third was number 31, troisième numéro 31, Fraylin Dorman Bonnie, owned by propriété de Fraylin Farms and Jeff Stevens. What a class, ladies and gentlemen. Need to congratulate the exhibitor to show a class like that today, but she have a nice effort to start in the class. Here. The first effort today is my winner today. This is a beautiful balanced effort. Lots of dairy strength, lot of style, lot of breed character all through the heifer. She's over the second today. It's a little bit more close placing, but she's more long, a lot more length all through the heifers today. She's tracked a little bit more easy today in the rear legs with the beautiful balanced calf in second. The second over third, she's more close placing, but this heifer today is a little bit more deep in the forehead, more width in the heart today to the beautiful silky heifer in the third place. And the third, she's a show style heifer we have in the class. She's beautiful head and neck, beautiful length. And she's a bit over today to the fourth heifer. She's more silky all through the calf today, small silky in the head. She's more width in the pin today with a nice balanced calf in fourth. Fourth over fifth today, she's a heifer. She's a bit more length all through the calf today. And the pasture is a bit more stronger. Today is more correct to the flexibility to the nice power heifer in fourth. And four over fifth today, she's nice heifer too, but she's very close placing. But I like this heifer. She's more longer to the neck today, she's more longer to the round today with a nice heifer in the fifth place. The premier finish, mesdames et messieurs, une jeunesse qui démontre énormément de balancement, de caractère de race dans tout son ensemble. Une jeunesse qui l'emporte aujourd'hui sur la deuxième, surtout sur la longueur aujourd'hui de tout son milieu de la jeunesse entre l'épaule et les hanches. Aujourd'hui, une jeunesse démontre plus de longueur que notre jeunesse en deuxième. La deuxième, c'est une jeunesse qui démontre plus de profondeur et plus de largeur à base de la poitrine que notre jeunesse très élégante en quatrième, en troisième position. Une jeunesse qui démontre le plus de style de l'Atlas avec son longueur de son cou et sa tête. Elle est supérieure à notre quatrième aujourd'hui, surtout au niveau de son caractère laitier, un peu plus laitière dans toutes ses parties. Une côte aujourd'hui qui est plus dégagée. Aujourd'hui, il y a des sessions plus dégagées que notre jeunesse en quatrième position. La quatrième est supérieure à la cinquième aujourd'hui. C'est une jeunesse qui démontre un peu plus de style, un peu plus de netteté aussi dans son cou aujourd'hui que notre jeunesse en cinquième. Un peu plus de longueur entre le milieu de la jeunesse aussi que notre jeunesse qui est très puissante en quatrième position, en cinquième position. Congratulations and félicitations pour les exposants.
Here are the results of the junior calf class following in your catalog. Résultat de la classe de jeunesse junior en suivant dans votre catalogue. Number 20 is 38, 20, 38e. 21 is 27, 21, 27e. 22 is 41, 22, 41. 23 is 7, 23, 7e. 24 is 14, 24, 14e. 25 is 15, 25, 15e. 26 is 35, 26, 35e. 27 is 16, 27, 16e. 28 is 37, 28 et 37e. 29 is 18, 29, 18e. 30 is 8, 38e. 31 is 3, 31, 3e. 32 is 17, 32, 17e. 33 is 28, 33, 28e. 34 is 20, 34, 20e. 35 is 5, 35, 5e. 36 is 29, 36, 29e. 37 is first and best bred and owned, 37 est première ainsi que meilleure propriété et élevée. 38 is 4, 38, 4e. 39 is 21, 39, 21e. 40 is 31, 40, 31e. 41 is 30, 41, 30e. 42 is 22, 42, 22e. 43 is 33 and first 4-H, 43, 33e et première jeunes éleveurs, and was shown by exposé by Keaton Phoenix. 44 was 24, 44, 24e. 45 was 25, 45, 25e. 46 was 26, 46, 26e. 47 was 23, 47, 23e. 48 was 2nd, 48, 2e. 49 is 19, 49, 19e. 50 is 32, 50, 32e. 51 is 6, 51 et 6e, and is now owned by et maintenant la propriété de West Coast Holsteins. 52 is 11, 52 et 11e. 53 is 10, 53 et 10e. 54 is 39, 54, 39e. 55 is 9, 55 et 9e. 56 is 34, 56, 34e. 57 is 13, 57, 13e. And we have three added entries. Nous avons trois entrées additionnelles. Number 424 is 12, 424 et 12e. J.R. Dempsey Dora, owned by propriété de Elmer Weeks, Rocky Allen, and Frank and Diane Borba. Number 427 is 36, 427 et 36e. Bremont Gone for the Door, owned by propriété de Bremont Holsteins. And number 434 is 40. Il numéro 434 et 40e. Cedar Patch Solomon Jello Shot, owned by propriété de Cedar Patch Holsteins, Evan Blanchard, and John Dortmans Jr. 41 head were shown in the class. 41 tête furent exposées dans la classe. We would ask all exhibitors in this intermediate calf class, there are 61 entries in the class, so it will be a little tight. So if you could please keep to the complete outside of the ring as much as possible. It could be the largest class we've ever had shown here at the Royal. On demanderait à tous les exposants de cette classe de jeunesse intermédiaire qu'il y a 61 entrées dans la classe. Alors collez-vous sur le bord de la bande autant que possible, s'il vous plaît, vous faites de la place. Ça peut être la plus grosse classe qu'on a jamais eue.
A reminder for all exhibitors for your photo needs, Vicki Fletcher and her crew are set up in the northeast corner of the barn. They are fully staffed. All you have to do is to arrive there after the class with your animals. Alors, juste un appel aux exposants. Pour vos besoins de photos, l'équipe de Vicki Fletcher sont installées dans la section nord-est de l'étable. Ils ont tout leur personnel. Vous n'avez qu'à vous présenter après la classe avec vos animaux. We'd like to remind all spectators and exhibitors that tomorrow's show starts at 7:30 a.m. sharp in the Ricoh Coliseum, so 7:30 tomorrow morning in the Ricoh for the continuation of the Black and White Show. Alors, juste un appel aux exposants ainsi qu'aux spectateurs que l'exposition continuera demain matin à 7h30 pile à le Colisée Ricoh. Alors, 7h30 demain matin au Colisée pour le restant de l'exposition noir et blanc.
for those of you that are still on the outside of the boards, could you please get over as close to the fence as possible? Alors, pour les exposants, sont encore sur le long de la bande, on vous demanderait de coller la bande autant que possible, s'il vous plaît.
We would ask, now that all calves are back out on the move, that as much as possible you can stay as close to the calf in front of you and remain as close to the outside as possible. Maintenant, toutes les genies sont parties. On vous demanderait de rester aussi proche un d'autre que possible et être sur le bord de la clôture autant que possible aussi.
Once again, I would ask all 4-H exhibitors to step forward in the row, please. All 4-H exhibitors to step forward. Je demande à tous les jeunes éleveurs de faire un pas vers l'avant, s'il vous plaît. Winners in this intermediate calf class, gagnant dans la classe de jeunesse intermédiaire, first and best bred known, number 63, première ainsi que meilleure propriété élevée, le numéro 63, Quality Solomon Lust, owned by Propriété Agribert Société Agricole SRL, Beckridge Holsteins, Oscar Dupasquier, and Quality Holsteins. Second, number 65, deuxième numéro 65, Browntown Mario Marlowe,
owned by a property to Browntown Farms Limited, Gerald Hallback, and Lookout Holsteins. And third, number 95, Troisième numéro 95, Serpollet Broca Anastasia, owned by property to firm Serpollet SRNC. Okay, ladies and gentlemen, we'd like to, mesdames et messieurs, j'aimerais qu'on applaudisse les éleveurs exposants pour cette magnifique classe. We changed many heifers during the class, but we need to judge honest with every beaters. But we finished with the top six heifers, top 10 heifers. We saw an exceptional balance heifer. The first heifer today is he's a very nice complete heifer today. She's nice to see the view. She's nice to see the rear. She's nice to see the front. She's a little bit over the second today. She's more deep in the fore rib today. She's more development in the open rib today with the rear rib today with a beautiful balance and silky calf and second. The second over third today, she's a beautiful. I like this second heifer. She's a beautiful, a lot of style. She's a little bit over the third because of rear legs. It's so important for the heifers to have that quality feet and legs, clean hock, mobility with the rear legs. She's awesome for the second over third. The third over four, she's more close placing, but I like this heifer. She's beautiful length. She's more high in the front into this, more blend to the shoulder today, to the rib, to the beautiful balanced calf in the fourth. The fourth is not the biggest heifer, but she's so correct all through the heifer. She's beautiful breed character in the head. To this beautiful clone bone. She's more correct to the pasture today, me a refined bone today with the heifers in fifth. Mesdames et messieurs, la classe a été un peu longue, mais j'ai pris le temps de démêler les jeunesses. Vous jugez honnêtement avec tous les éleveurs. On a déménagé quelques jeunesses pour finir avec un line-up de jeunesses que j'aime bien, qui est bien à mon style aujourd'hui. La jeunesse en première position, je suis faire la deuxième jeunesse qui démontre énormément. Elle est belle à regarder de face, de côté, derrière. C'est une jeunesse qui est un petit peu plus profonde aujourd'hui que notre jeunesse. Un peu plus large, surtout à la base de la poitrine de notre jeunesse, extrêmement laitière en deuxième position et très bien balancée. La deuxième, je suis le troisième aujourd'hui, c'est surtout au niveau de ses membres arrière, au niveau de sa flexibilité, la netteté dans son jarret aujourd'hui. Anna Juvenich, très élégante et très puissante en troisième position. La troisième avec la quatrième, c'est une jeunesse qui demande un peu plus de jeunesse aujourd'hui. C'est une jeunesse qui demande un peu plus de longueur, de hauteur, un peu plus de largeur à sa base de poitrine que notre magnifique jeunesse en quatrième position. Je te l'ai rushé un peu plus loin, mais c'est une jeunesse qui n'a pas de défaut, une jeunesse qui pourrait être un peu plus développée aujourd'hui, mais elle est extrêmement laitière, elle a beaucoup de caractère de race dans sa tête et dans tout son ensemble. Elle est supérieure à notre jeunesse en cinquième, surtout au niveau de ses membres arrière, la qualité de ses membres arrière aujourd'hui qui l'emporte le plus de netteté dans son jarret. Un pâturon qui est plus adéquat aujourd'hui que notre superbe jeunesse en cinquième position. Félicitations, congratulations for every exhibitor.